Chers amis de la presse, le FC Tanganyika n'est pas un mauvais perdant, mais n'accepte pas qu'on lui vole ce qui lui revient. Le football est et reste une école de loyauté et de fair play. Il marche avec des normes et de règlements qui, une fois biaisés par ceux qui sont supposés en assurer le respect, on dit bonjour à la jungle. Le FC Tanganyika vient d'être victime de cette jungle de la part de l'organisateur de la Coupe du Congo, mieux de la part d'un influent membre du CONOR, qui s'est brusquement souvenu de ses accointances avec un club prétendant au titre pour l'imposer comme vainqueur de la 58e édition de la Coupe du Congo. Parce que le FC Tanganyika fait peur. Pour ce faire, ses membres ont tripatouillé la désignation des officiels passant outre toutes les règles de l'art et imposer ses sbires au vestiaire. En clair, le FC Tanganyika vient de jouer un match avec des officiels désignés verbalement. Ces membres-là, on l'a vu sillonner le bureau après bureau pour atteindre son objectif. Voilà comment ceux qui ont la charge de développer le football en République démocratique du Congo découragent les bonnes volontés. Nous avons accepté les injustices du départ en voyageant tour à tour pour Kindu, puis à Kinshasa. Alors que les équipes que l'on protège sont restés tranquillement à domicile. Loin de nous décourager, nous voulons affirmer notre ferme volonté de faire du FC Tanganyika un club de référence dans notre pays, fondé sur des valeurs et éthiques sportives. Et vous l'avez vu et vous l'avez vécu pendant notre parcours. Nous voulons ici féliciter nos joueurs qui sont tombés armes à la main, nos staffs ainsi que tous ceux qui ont cru au FC Tanganyika, les sportesses de Kalemi, les sportesses de ces 6 territoires qui composent le Tanganyika. Et nous disons bon vent au club qui continue la compétition. Messieurs et dames de la presse, nous comptons sur vous pour dénoncer ces fossoyeurs du football en République démocratique du Congo. La seule chose pour laquelle nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Et le FC Tanganyika n'en a pas eu. Je dis et je vous remercie.